Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. 13 octobre 2021. Bon, demande. Qui fait, on demande de renvoi. Et demande ça, t'es signifié à un juge Hickenson et Dumé. Qui m'a dit, pour le retirer quoi dans le dossier ça, parce que, oui, mesdames, non, pas inspiré de confiance. Ça, Hickenson fait lui-même, en novembre 2021. Et c'est là ça, Hickenson voyait by juge, by commissaire gouvernement, ils ont demandé à m'élever des coups pour les gens qui sont en prison la restituer en même. Eh bien, le 10 octobre, 10 janvier à la passé à la, après 89 jours, Hickenson dit déportil. Il n'a pas demandé Hickenson déportil. Ni il n'a pas refusé le tout, juste l'instruction est irrécusable. Et ça, Hickenson fait comme par méchanceté. Il dit que sécurité parle, toute famille repose sur lui son estime. Donc, non, car pour ça, Hickenson doit faire lui-même, lui façonner, lui faire bagarre, lui adresser, puis attaquer. Et puis, pour reposer sur lui moi-même. Eh bien, Hickenson, c'est plus bon que vous ça. Pour qui ça, dossier après tout le temps, ça n'amène 89 jours. Or, depuis même le jour de recevoir la source, elle va vous faire les greffiers, faire inventaire, voyez dossier à la doyen. Doyen attend le dossier à la main, elle va occuper le monde. Au contraire, même la pestu sur le dossier à toujours. Vous le voyez demander, commissaire gouvernement, mais recevoir yon demande en main levée des coups. Et puis c'est ça, pour l'attendre sa cap fait. Non! C'est qu'on ne peut pas instruire, on ne peut pas faire rien sur lui. On ne peut pas pièces instruction sur lui, c'est ça. C'est que depuis que vous sortiez deux arrêts, et tirez bon. Et c'est là, oui, Hickenson va dire oui, sécurité lui-même. Hickenson, oui. Avec toute famille reposée sur moi-même. Bon, les amis. Hickenson a sécurité, matin, midi, soir. Et puis, on a dit moi-même, seule sécurité, c'est l'éternel. C'est seule sécurité. Pour Hickenson, a dit, on s'en sécurité lui même à madame ni toute famille que j'ai sur moi-même m'a dit dans ma gueule si moi-même quand elle était capable d'arriver sur Hickenson non Hickenson supposé qu'on est elle supposait mettre ça droit dans la tête lui si Hickenson besoin de monde qui est ce qu'il est c'est pour faire conscience et juger d'abord et chaque jour le même c'est conscience sur la vie jour c'est pas moi qui dis ça. Pour Hickenson dit mon petit moi-même, sécurité non mais, elle gagne sécurité dans la justice là, Kaili. Moi-même pas rien comme sécurité, l'éternel se m'a pas protégé. Hickenson doit qu'on est. Dans la famille sortie à pour ça. Mais pour que Hickenson ne pas arrêter pour réfléchir, pour le prier, pour le confesser péché. Pour le demander de garder lien de parenté avec John Joel Joseph. C'est là pour qu'on est. Est-ce que c'est une de famille volée, assassin? Hickenson dit même, pour délire là lui-même. C'est pour te prier chaque jour. Pour demander qui ça a préservé avec J-Cube, John Joel Joseph, qui est lié de parenté avec seul. Et puis c'est moi-même estimé, innocent que je suis, pour la dire oui, le méchant fait toujours une heure qui le trompe. Et puis ça veut dire que Hickenson qui dit que moi-même, qu'il n'est pas bon lit. C'est Hickenson qui est supposé qu'on est. Avec 26 ans de carrière moi-même, laisse en bas pour Hickenson des avocats. Non, non? Pour la dire, c'est moi-même, le méchant fait tout une heure qui le tombe. Bon, méchant, ça, c'est bon Dieu, même qui mettait sous terre, même pour contrôler tout vagabond. Cap marché, cap serpenté tête, yo, n'a pas la justice pour qu'on ait fait au même. Dossier ça, non, même vous le dites. Bon, ça, dossier ça, on parle, c'est la même Hickenson. Après 89 jours, c'est comme si on met une destruction totale. Il y a deux mois pour te faire, pour te instruire sur ce dossier, hein, pour porter tout à. Et puis l'autre mois, lui-même, dernier mois, c'est ça pour le débat, il y a une ordonnance de clôture. Bon, c'est trois jours, ça va être une solution, vous devez faire trois mois de l'OBCU. Bon, il y a un petit au-dehors, on va instrumenter celui-là toujours. Qui ça? Qui est-ce qui va en l'ordre?
Donc il y a tant de salles américaines sont dites, si ça a lui-même, il n'y a pas quoi faire lui-même. C'est un autre qui est son autre, oui. 10 janvier à la lui-même. Il paraît à elle. Mais il ne pas que depuis le ça, de sa vie, 89 jours en même. Ça s'est passé. Dickinson, l'aide des premières dames, n'a pas tant d'elle comme parti, non, au conseil. Il n'a pas tant d'elle comme témoin. L'aide pas qu'à jouer l'autre, il n'a pas de monde qui est en prison. Parce que lui-même, là, lui-même, a fait ça. Lui connaît pas comment ça va faire, donc on va dire très bien. Coup fin de temps, il va libérer les gens qui sont en prison. Et je ne sais pas si ça va faire ça avec les premières dames, lui-même, expérience dames. Donc, dans le cas, ça n'a pas de bail Dickinson. Passez du tout. C'est pour qu'elle sonne, s'il vous plaît, pas citer ton emploi. Frère Maxemio, haïtien tout partout. Je connais nous tant de petits messages que je fais dans la fin d'année. Même pas qu'à venir vous dire à Bindine deux mots sans pas souhaiter nous. Nous-mêmes avec toute famille, nous, une bonne année encore. Une bonne année dans la paix, dans l'amour, dans la santé et la sécurité. Je vais tout profiter de souhaiter nous succès. Mais succès que tout le monde toujours souhaiter nous, moi je voulais nous connaître que c'est un combat, que c'est notre trousse et poignette que nous avons. Il faut que nous travaillions pour nous joindre. Pas de personne qui a porté un fait de cadeau. Dernière fois nous t'étendons, c'était après la mort du président Jovenel. Un coup dur pour le pays d'Haïti. Une grosse frappe pour moi. Yon gros frappe. Parce que si gen yon moun ki Jovenel Moïse, li rele Michel Joseph Matéli. D'ailleurs, ça fait me songer l'emte choisil. L'emte choisil, en pin moun ka pale fort vous dire, c'est yon qui te kon gade m'nange et qui te kon mande kote m'prale ak paysan sa, moins besoin met sou moun nan, kote m'prale avèl. Au moins vous dire, moi ouè que yon apprécie choix mwen te fè. Dans le dossier de la mort président Jovenel, là, dans le dossier ça, moi décidé de faire silence. Moi décidé de faire silence parce que moi, ouais, j'ai un paquet de paroles à tractation qu'a fait. Un paquet de manipulation. Moi-même, moi décidé de faire silence. Moi pas rentrer dans ça. Et m'a tout recommandé, moun ka parle en pilio. Moun ka pese bouye pisyo, pou yo kite la justice fè travay li. Jan nou komanse wèl la, 2022, pa 2021. Pa enkyete. Nou pa wèm, nou pa tandem, men mwen la. E m pa jam suspann reflechi pou Haiti. Pa yon ken Haitien sou la tè ki pa vle ou meye Haiti. Nan dimensyon kriz ke nap viv jodi a, pa gen yon Haitien ki pa fokus sou yon Haiti miyo. Sou yon meyèr demè, ki sa peyi nap tounè, ki kote mou pralè. Mwen mèm, mwen pap jèm dekouraj. Paske, Haiti nan kèm. Fok peyi a chanje. Li lè pou tout Haitien d'akò sou yon balè. Fok Haiti chanje. E yon sel moun pa ka fè sa. Kèl ke swa moun. C'est nous-mêmes petits pays qui pour mettre tête ensemble. C'est nous-mêmes haïtiens qui pour gérer la caille. C'est nous-mêmes qui pour joindre solution. Faut pour changer mentalité. Et faire bagaille, nous l'autre gens et ensemble. Moi choisis travail en silence. Moi entendez tout ça qu'a dit. En silence. Parce que silence fait plus bruit parce que balle. Mais moi là, n'êtes pas nous là. N'a pas qu'un bépire. Et n'a pas commencé à tendre pissou. Songez oui. En silence. DH qui c'est une structure qui regroupe un ensemble d'organisations des droits humains. Parmi eux, nous joignons AHDDH, ODED, AGESCAF, AJA, INOA, JHMCP, etc. LHDDH qui c'est une structure, Jean que nous sommes dedans, qui c'est une structure des droits humains, pas venir pour venir remplacer ensemble d'organisations qu'il a déjà eu.
Mais au contraire, nous venons de quoi que pour nous capables de renforcer ensemble de activités qui en dans secteur. Structure ça qui prend naissance. Li vini de quoi que pour venir travailler sur plusieurs grands axes en dans société. Parmi axes ça, nous sommes capables de jouer détention préventive prolongée. Lutte contre la corruption. Lutte des crimes contre l'humanité. Accompagner ensemble de mounio qui victimes de ensemble de crimes dans la société. Et puis traîner l'État en justice pour ensemble de crimes que l'on commet sous population. Donc nous croyons que c'est ensemble de points que nous gagnons notre travail sur eux pendant l'année. LHDDH, qui gagne comme directeur exécutif, M. James Meralus, qui est président tout de AHDDH, eh bien, vision à LHDDH est vraiment claire côté que non seulement nous venons aider la population par rapport à ensemble de violations des droits humains que l'a subi. Nous prenons naissance en octobre 2021. Donc nous avons préparé nous de quoi que nous sommes capables de faire conférence ça, lancement officiel ça, de quoi que nous sommes capables d'avertir la population. Que gon structure qui vient renforcer la bataille dans ce secteur de l'homme. Former que nous voulons former la population pour être capable de conduire. Meilleure façon que nous capable de prévenir les atteintes aux droits de l'homme, c'est former la population. Nous pas venir là pour nous venir remplacer aucune autre structure. Au contraire, nous pourrons collaborer avec eux et nous pourrons tout attaquer l'État haïtien en justice. Et nous prenons tout attaquer une série de dossiers qui sont dans le pays, qui ont mangé la population, mais côté que n'y a pas fait cadeau. Pour son parti qui est là depuis 1982, donc son parti, dans l'élection passée, où il y a des élus, côté il y a des députés, magistrats, etc. Mais il y a une petite coupure, mais nous-mêmes, depuis quelques années, nous décidons pour nous relancer le parti à contenir dans le vide de leadership. Nous qui gagnons sur le terrain, côté que dirigeants nous connaissent ces dernières années, ils ont vraiment mené le pays à non Kachou Boumbe, côté que nous-mêmes nous le faisons redressement. C'est pour ça que fait partie ça, nous décidons de recamper, côté que nous pouvons faire partie ça, tourner une école politique, une école qui pour former des dirigeants politiques et leur former des gens, les jeunes qui aspirent pour venir dirigeants. Les ouvriers dirigeants ou même y a qu'à gérer pays à y ont l'argent. Donc parti ça année à n'importe pour nous fêter 40 ans dans le mois d'avril là et 40e ça lui-même c'est un 40e côté que nous pourrons transformer comme si son journée de réflexion côté que nous pourrons analyser problème pays ça au cours des 5 dernières décennies. Garder qui progrès qui fait, garder qui côté qui vient contraindre nous même pour nous cap élaborer un nouveau agenda politique. Pour décennies qui viennent là, parce que nous tous ces Haïtiens, nous conseillons aujourd'hui, Haïti a fait face avec une crise politique, une crise de leadership, côté que une insatisfaction complète des dirigeants politiques, nous ne sommes pas satisfaits de eux. Donc pour nous gagner un meilleur dirigeant dans l'année qui viennent là ou à travers les élections, faut-il bien que c'est des gens qui passent à travers des écoles politiques, qui plus ou moins maîtrisent ensemble des notions qui lient avec politique publique, avec question administration, question développement, question collectivité territoriale. La patrie, c'est nous directement APM Ariel Henry. Son frère. Ok? Son frère lié pour nous, parce que nous partageons la même foi. APM Ariel Henry, son adventiste du 7e jour. La famille Henry, c'est une grande famille, l'enlève adventiste là. Pour qui ça m'a parlé avec ça? C'est parce que je connais un monde qui dit que c'est chrétien et qui n'est pas venu aujourd'hui dans l'évangile là, ou pas n'importe qui. Et surtout, famille Henry, je demande s'il vous plaît, PM Henry, et la famille, PM Henry d'abord, Ariel Henry. Est-ce que Jean Labibdi a parlé qu'il y a un scandale, ça arrive? Malé à celui que le scandale arrive. 7 février 2022, c'est fini. C'est ça, président Jovenel Moïse te dit, mandat à bout. Quel que soit le monde pour, t'es contre, je dis à tout le monde, d'accord, que président Jovenel Moïse mourit, ou pas de raison d'être encore. Donc, pas
parle de dire ça. Mando, s'il vous plaît, ça son frère qui parle avant. Pas quitter pays à tomber le Kachouboumbe. Pas quitter pays à tomber le pays loc. Pas quitter situation manifestation à gauche à droite encore. Parce que tout le monde clair que 7 février, tout bagay tombe. Tout bagay tombe, c'est accord, c'est négociation. Porte la retouvre pour vous payer, Magel. Montana accord. Nous tous qui sommes signataires accord Montana. Nous attendons pour finaliser la question, place où là, le collège présidentiel. Donc, comme chrétien, comme monde qui a visé, et nous avons dit qu'on est à la famille Henri et la famille Adventiste du 7e jour, à prier pour PM Ariel Henri, en façon pour vraiment les parvenir sale réputation nous déjà. Dans le pays, ça, qui est très bonne réputation que nous gagnons, pour que tu aies aujourd'hui, il y a un chrétien, un homme avisé, qui sorti dans une grande famille comme ça, dans l'œuvre là, pour nous dire que c'est monsieur qui parle dans le goût avec nous. Et puis, deuxièmement, payer la langue, c'est même j'ai avec nous là. C'est amis nous, c'est équipe nous toujours dans toute bataille politique, ensemble avec elle. Aujourd'hui, on vit une PM, et pour parler, on parle de tout en face, camarades, amis, parce que nous, dans le pays, où j'ai une possibilité pour te diriger. Je dis à nous, ce n'est pas bien à shooter, mais il faut comprendre la situation ou pas qu'à camper en face. Il y a un accord qui fait et presque tout le pays a rentré dans l'accord Mondana. Nous avons tout notre groupe après jouer nous. Et ça qui peut convenir, nous demander de rentrer, pas d'aucun problème. Et puis nous n'avons pas besoin de 7 février arriver. Bon, je souhaite que M. Tande la raison, il n'a pas besoin même temps de 7 février pour que lui-même, l'accord s'assied avec elle et lui fait passation en douceur, j'en ai besoin. Activité ça que nous avons réalisé aujourd'hui, hein, c'est une formation pour des personnes de la société civile, des représentants d'organisations. La réalisé dans le cadre projet Yon Communauté pour nous toutes. C'est un projet d'inclusion de personnes handicapées. Stratégie nous utiliser pour nous faire projet, nous d'abord renforcer les organisations de personnes handicapées et les personnes handicapées pour ces eux-mêmes, non seulement qui accompagnent l'autre monde handicapé, qui tout réaliser des activités à l'intérieur de projet ça. Parce que vous regardez dans la salle là, moun kap fait formation, les formateurs, ce sont des personnes handicapées. Donc nous réaliser formation ça sous convention relative aux droits des personnes handicapées. Yon objectif projet ça, projet yon communauté pour nous toutes, c'est contribuer à inclusion mon handicapé yo dans communauté yo. Et qui ça nous utilise comme instrument, comme outil, c'est la convention relative aux droits des personnes handicapées. Qui sont conventions que Haïti signé mais qui pas connu dans communauté. Donc nous renforcer les organisations de personnes handicapées pour yo même yo ka fait connaître convention réclamer droit yo vraiment pour toute communauté hein ka vin nou communauté qui inclusif. Naturellement ça n'a fait assez très peu parce que il y a pile bagaille qui pour fait et projet a fait dans 4 départements paysans, naturellement dans 8 communes à travers 8 organisations de personnes handicapées, dont UFMORACH, qui c'est Union des femmes à mobilité réduite, qui sont organisations de personnes handicapées qui travaillent dans le département de l'Ouest. Nous travaillons dans le département du Nord-Est, le département du Nord, le département du Plateau Central et le département de l'Ouest. Dans chaque département, ça, nous avons 2 organisations de personnes handicapées qui ont renforcé la capacité. Représentants d'organisations, ça, qui là, c'est des représentants d'organisations, en fait, de groupes organisés de la société civile. Si nous disons, nous voulons inclusion en fait dans la société, nous ne pouvons pas faire. Pourquoi nous faisons un appui société civile là? Donc, c'est ainsi que nous formons société civile là, les groupes organisés de la société civile, moun kap bay un service quelconque dans la communauté, pour yo konn convention, pour dans le domaine pa yo, yo appliquer article dans la convention qui correspond à ça y a fait dans la société. C'est une formation d'une journée. Ce sont des directeurs, nous pas kakebe yo pendant longtemps. C'est une formation d'une journée. Nous bayo convention pour yo aller. Naturellement, il y a des formations déjà qui fait déjà. Il y a plusieurs activités. Il y a des formations qui fait déjà. Nous te fait des formations pour des journalistes déjà. Et nous allons mettre en place
et des comités de plaidoyer qui composaient à tout le monde qui était recevoir formation, tant c'est des journalistes, tant c'est des gens de la société civile, pour être capable de mettre en place des comités de plaidoyer pour yo ban nou appui, pour yo bay organisation yo appui dans cause plaidoyer pour inclusion moun handicapé dans société. Activité ça tout c'est une activité qui permet nous essayer rencontrer leader communauté nous parce que ce projet a c'est une communauté pour nous toutes. Donc pour nous gagner une communauté pour nous toutes, nous devons gagner inclusion, donc nous devons gagner chaque grain de monde dans la communauté qui est sensibilisé sur la question handicap, qui est sensibilisé sur la question droit de monde handicapé et qui compte comment pour réagir ensemble avec les monde handicapé. Donc c'est ça qui fait un partenariat ça que nous jeunes avec Impact pour nous former leader communauté nous. Donc c'est un atout pour nous parce que ça a permis nous non seulement arriver plus loin parce que nous connaissons tout autant voix, tout autant nous gagnons plus voix, c'est tout autant nous arriver plus loin, c'est tout autant nous atteindre objectif nous qui c'est ouais que nous gagnons société inclusive côté que nous pas mettez mon handicapé sous côté que nous pas l'école spécialisée pour mon handicapé mais tout mon handicapé dans même l'école avec tout le monde côté que nous gagnons société yo pas côté pas gagne différence entre monde qui gagne un handicap, monde qui pas gagne un handicap, monde qui rouge, monde qui noir. Donc c'est ça nous abgoumer pour nous gagner une société inclusive, pour nous gagner développement durable n'a chercher. Chaque leader nous formé qui pral comprendre que mon handicapé yo gen droit pour travail parce que ou après mon qui dans formation c'est des monde qui soit représenté entreprise ou bien université, l'école, tout ça. Donc c'est chaque acteur ça yo comprendre réalité mon handicapé yo. Donc c'est chaque acteur ça yo formé. Donc ça à permettre que yo même tout l'autre monde qui dans environnement yo essayer sensibiliser yo tout sous point ya. Et tout autant nous jeunes ça c'est tout autant nous arriver plus loin. Donc j'aime cela tout autant voir nous gain plus voir c'est tout autant voir nous arriver plus loin. Donc moi sûr que moi pas pour dire que discrimination a éradiqué. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.